29 mars 45. Gardez-vous! Les Japonais ont attaqué sur tout le territoire. Ils arrivent. Effectif total, 19. Objectif, 200 km. Nos chances d'y arriver sont proches du néant. Moi, j'ai travaillé dans la production, j'ai travaillé dans une société qui s'appelait Compagnie des Images, qui produisait du film d'auteur dans les années 90, qui avait produit notamment Le Fils du requin d'Agnès Merlet, oui. ou des films roumains, oui. comme Les Dimanches de Permission, un réalisateur qui s'appelle Nicolae Caranfil. Ça ne me dit rien. Ça a été mon moyen, moi, de mettre le pied dans la porte et de me rendre compte que... Bon, en côtoyant des scénaristes, des réalisateurs, etc., que c'est de l'autre côté de la table que j'avais envie d'être lors de ces réunions. Et que je, voilà, ça vous a confirmé que c'était ça, enfin, c'est vers là que vous vouliez aller, quoi. Oui, oui. Ouais. Ça m'a aidé à me dire à moi-même la vérité, à savoir, c'est ce que tu as envie de faire. Moi, il se trouve que j'ai tout le temps écrit, en revanche. Je me suis autorisé à écrire. C'est ça que je voulais savoir, c'est que vous êtes quand même scénariste aujourd'hui. Enfin, vous êtes, avant d'être réalisateur, je dirais même que vous avez commencé en tant que scénariste quelque part. Enfin, en tout cas, vous avez dû apprendre quelque part sur le tas, puisque vous n'avez pas fait d'école ni quoi que ce soit. Peut-être en vous confrontant avec justement des scénaristes qu'on vous disait quand vous travaillez dans cette boîte de prod, en fait. Oui, ça c'est sûr que l'étude des scénarios des autres, c'est une excellente formation, en fait, de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi, à notre avis, ça marche, ça ne marche pas. Mais avant ça, j'ai écrit des nouvelles, j'ai toujours écrit. D'accord. Et mes courts-métrages, je les ai écrits moi. Ensuite, quand j'ai commencé à faire des longs métrages, et que sur mon deuxième long métrage, la production a été extrêmement lente et compliquée, j'ai préféré écrire des scénarios pour d'autres réalisateurs comme Frédéric Tellier. C'était une de mes questions justement, c'est-à-dire, est-ce que c'est eux qui sont venus vous chercher ou c'est vous qui avez proposé ou ce sont des rencontres qui ont fait que dans le maelstrom ou dans la rencontre, les propositions se sont faites, je dirais, quelque part. Bah, j'ai écrit pour deux réalisateurs principalement. C'était Frédéric Tellier, où on s'est rencontrés parce qu'un producteur nous avait présenté, Julien Badon, qui pensait qu'on pouvait bien s'entendre sur l'écriture d'un projet qui était extrêmement compliqué. Ça s'appelait l'affaire Esquin, l'affaire de Guy Georges, où le matériel était complètement foisonnant, protuburant, etc., impressionnant. Voilà, on n'était pas trop de deux à écrire ce film qu'a réalisé Frédéric, et ça a été une aventure d'écriture vraiment assez extraordinaire. À tel point d'ailleurs que vous l'avez renouvelé pour un autre film. Quoi, si oui, Sauver ou Périr. Ouais. Qui a fait beaucoup parler de lui. C'est un film qui a énormément, qui a eu un écho énorme. Quoi. Oui, qui a rencontré son public, qui a fait pas mal d'entrées. Donc Frédéric Tellier, c'est quelqu'un qui nous a présenté parce qu'il pensait qu'on pouvait... Enfin, du moins, comme c'était Frédéric Tellier qui était au centre du projet, c'est le producteur qui a pensé que je pouvais apporter quelque chose. Pourquoi les producteurs peuvent servir à quelque chose, des fois. Moi, j'ai une très bonne opinion des producteurs. Je pense que c'est devenu un métier au moment qui est... Autant, je pense, peut-être il y a 30 ans, 40 ans, c'était une profession qui pouvait attirer des gens qui pensaient que l'argent pouvait être facile à gagner, etc. Là, maintenant, c'est tellement dur de produire un film, c'est devenu tellement compliqué que c'est que des passionnés, à mon avis, qui ont cette foi pour s'emmerder à s'échiner à produire des films. L'autre réalisateur là, pour qui j'ai écrit, c'était Safi Nebbou, qui était quelqu'un que je connaissais, parce que lui aussi vient du Sud-Ouest. Moi, j'étais à Pau, lui était à Bayonne. On se connaissait. De l'époque des courts-métrages, et quand il a voulu écrire dans les forêts de Sibérie, qui était un récit où la nature avait une place considérable, il a pensé à moi. Donc c'est lui qui est venu vous chercher? Oui, je pense. Oui, à chaque fois, je n'ai jamais fait de démarche pour écrire un scénario. Ça prouve que déjà que vous étiez déjà, et vous l'êtes encore plus aujourd'hui, je présume, vous êtes considéré comme étant un scénariste solide, quoi, en fait. Voilà.
sur qui on peut s'appuyer quand on a un projet éventuellement qui vous botte, quoi, je dirais, quelque part. Oui, c'était ça. Je pense que c'était aussi lié au fait que j'ai eu le prix pour le prix Sopadin du meilleur scénariste pour le film Loin des Hommes, ouais. En amont de Loin des Hommes, que j'ai tourné en 2014, en 2010, parce que le film était très long à produire. Là, ouais. J'ai eu ce prix-là, je pense qu'il y a un peu. Qui m'a un peu établi en tant que scénariste, alors c'est que ça. Moi je ne souhaite pas être établi comme scénariste. J'étais très content d'écrire ces scénarios, ça m'a beaucoup appris pour mes propres écritures réellement. Et puis c'était une façon de faire bouillir la marmite à un moment où moi, mon projet était bloqué et je ne voulais pas passer à un autre projet, j'étais totalement obsessionnel et je n'avais pas envie de réaliser d'autres choses ou des pubs. Donc j'ai vraiment préféré écrire. D'ailleurs, depuis, j'ai écrit un scénario il y a 2 ans, mais là c'est pareil, c'est complètement différent. C'est un scénario avec et pour Émir Kusturica. D'accord. Qui est une adaptation de Dostoïevski, un mélange de L'Idiot et de Crime et Châtiment. Ouais. Et dont le film se fera peut-être un jour, j'espère l'an prochain ou dans 2 ans. Il est sur un autre projet qu'il devrait faire avant. C'était un plaisir d'écrire avec Émir Kusturica, qui est un cinéaste que j'adore. Et l'écriture, pareil, a été une aventure. Mais c'est à tel point que vous ne voulez pas qu'on vous établir en tant que scénariste, c'est que il me semble que, peut-être à une exception près, je crois que tous vos films, vous les avez co-scénarisés. Vous êtes toujours appuyé sur une personne ou deux, je dirais. Vous n'êtes pas tout seul à l'écrire. Non, c'est vrai. Vous éprouvez le besoin éventuellement d'échanger ou peut-être de prendre du recul par rapport à ce que vous avez écrit, peut-être, je ne sais pas. Tout à fait. Oui, ce que j'ai apporté à d'autres projets, moi je demande effectivement à des co-scénaristes de me l'apporter à moi. On est d'accord que Les Derniers Hommes, c'est à la différence peut-être des autres films, mais je me trompe peut-être, c'est pas vous qui êtes l'instigateur ou à l'origine du projet. Il me semble que, si j'ai bien tout compris, c'est vous avez Jacques Perrin derrière qui est... il y a eu certainement plusieurs rencontres, mais c'est lui qui vous a éventuellement amené sur ce projet. Tout à fait. D'accord. Et pour autant, c'est pas une commande, donc c'est un itinéraire un peu... C'est pour ça que j'ai pris des pincettes en disant ça. Parce que ce qui s'est passé, c'est... Jacques Perrin, c'est un projet qu'il a développé depuis 10 ans, projet sur lequel il était assez obsessionnel et... Vous, j'ai l'impression quand même. Quand vous vous lancez dans un projet, après derrière, il n'y a rien qui doit vous arrêter. Mais la fin de cette histoire sur Les Derniers Hommes prouve à quel point c'était obsessionnel pour lui et à quel point ça avait un sens profond pour lui. Je pense que c'était Les Derniers Hommes, c'est un film, c'est un projet qui se passe en Indochine, qui est un peu cousin de la 317e section. Bien sûr, bien sûr, oui. La 317e section de Schanderfer, un grand film de guerre qui date d'il y a 60 ans, qui a été le premier film de Jacques Perrin. En France, en tout cas, qui a établi sa carrière de comédien en France, il avait déjà travaillé en Italie. Voilà, exactement. Ouais, ouais, mais plutôt comme jeune premier, etc. Ouais, ouais. C'est son premier rôle important d'homme. Puis j'ai l'impression que ça l'a marqué, lui, en tant qu'homme, quoi. Ça l'a marqué. Dans sa chair, quoi. Énormément, à tel point qu'il avait fait un documentaire avec un historien cinéaste qui s'appelle Eric Doroux. Oui. Qui s'appelle L'Empire du Milieu du Sud, qui est vraiment un documentaire extraordinaire. Qui donc vous reprenez quelques images en générique de fin, il me semble. Hein. Tout à fait. Je ne le savais pas, mais j'ai vu les images. Bref. c'est un documentaire qui, du point de vue texte, se base uniquement sur des poèmes ou des lettres écrits par des soldats vietnamiens ou des soldats français. Ce n'est que des correspondances qui sont mélangés et c'est d'une poésie assez extraordinaire. Et effectivement, au milieu de ce film, il y a des images d'archives que Éric Deroux et Jacques Perrin ont retrouvées. La fameuse colonne, là, c'est ça? La colonne d'Alessandrie, filmée par un opérateur américain. On ne savait pas que cette colonne avait été filmée. Et on voit ces soldats français qui fuient en 1945 de l'Indochine, où ils sont chassés par les Japonais. C'est pas tellement contextualisé dans le documentaire. C'est-à-dire que même en voyant le documentaire, moi, je ne savais pas que... Enfin, j'essaye de m'intéresser, ou en tout cas de cette période-là. Je n'étais pas tellement au courant de cette période-là, du 9 mars 1945, l'attaque des Japonais, enfin, bon, voilà. Même de la situation indochinoise
pétainiste quelque part pendant toute l'occupation, enfin pendant toute l'occupation en France. Même ça, j'en étais pas tellement conscient. Je trouve que c'est Personne. Enfin ouais. moi le premier. D'accord. Et Jacques non plus. Jacques, il a appris cette histoire en faisant ce documentaire. Ah oui, lui non plus. Et il s'est dit, mais il faut faire un Incroyable. Film là-dessus. D'accord. Donc il s'est mis en tête de produire une fiction là-dessus. Il a commencé à l'écrire. Ensuite, il y a Il s'est basé du bouquin. Il est parti du bouquin. Il est parti d'un bouquin qui est un récit, Les Chiens Jaunes, écrit par un légionnaire qui est mort maintenant, qui s'appelait Alain Gandhi, qui lui a vécu cette histoire dans la colonne Alessandrie. D'accord. Mais qui a entendu parler de cette colonne fantôme qui s'appelle la Dream Colonne, qui n'a jamais rejoint la colonne principale de ces Juste pour contextualiser, c'est la colonne Alessandrie, c'est des milliers de soldats français. C'est l'ensemble de l'armée française qui avait en Indochine en mars 1945, qui partent vers la Chine parce que les Japonais chassent les Français de la colonie. Et ils se font massacrer. Donc c'est une sorte de page d'histoire, c'est une débâcle, une fuite qu'on n'apprend pas dans les livres d'histoire, parce que c'est pas très glorieux, c'est pas très compatible avec le roman national français. Je ne sais pas très bien quelles sont les raisons. Et donc tous ces Français arrivent en Chine quelques mois plus tard, après cette marche forcée où il y a à peu près la moitié des soldats français qui sont morts. Il y a eu des milliers de morts. Je crois qu'il y en a quoi, 2-3 000 qui sont arrivés en Chine. Oui, c'est ça. Ils sont partis à 6 000, ils sont arrivés à 3 000. Et le général de Gaulle ensuite renverra ces gens, reconquérir l'Indochine. Entre-temps, le parti communiste indochinois vietnamien s'est formé. Ho Chi Minh, qui avant était totalement marginal, prend une certaine importance. C'est le début de la guerre d'Indochine. Et en fait, c'est marrant parce que cet épisode, finalement, c'est le début de la déconstruction de l'empire colonial français. Il n'avait pas déjà commencé sous les Japonais entre 40 et 45 déjà ? La déconstruction de l'empire. Oui. Non, je pense que réellement, c'est le. Alors, les Japonais ont totalement déséquilibré cette histoire, mais c'est les Français sont encore en train de collaborer avec une autre puissance coloniale, et ils perdent la face devant les populations locales en mars 45. Quand ils reviennent, c'est un peu le statut de demi-dieu qui perd un truc, comme le disait Perrin et le tracteur qui joue dans la 37e section. Crémer, quand il fait la fameuse séquence, quand il montre l'œuf qui est repris par Coppola dans Apocalypse Now. Tout à fait. Chef, maison brûlée, brûlée en faute le camp. Ok, j'aurais quand même bien voulu savoir ce qu'il faisait celui-là. Moi connard, chef. Lui dire, Cambodgien, zone, pas bon faire camarade avec Français blanc. Faire camarade avec Vietnamien zone, même chose. Lui dire, Français foutent le camp d'Yen Bien Phu. Blanc foutent le camp. Jaune, restez. Lui dire comme ça. Lui dire comme ça. Eh bien, écoute ce que je vais dire. Et traduis-le à tous ces rombiers qui rigolent. Le sang est rouge. Le rouge reste. Et il restera toujours ici, lui et tous ses camarades aussi. Toujours. Fais creuser les tombes. Et dans le village, les tombes. Très joli, ton numéro. Mais c'est plutôt primaire, non, cette démonstration par les yeux. La preuve parle. Ne crois pas ça. Tu vois, en 46, les rebelles n'osaient pas nous tirer dessus, nous, les dieux blancs. Parce que les balles retournaient sur la gueule, ils pensaient. Tu vois, au Cambodge. Perrin ! Oui ! Arrive ! J'ai l'œil, hein ? Pas dégueulasse, on dirait de l'anglais. Tu vois, au Cambodge, ils aiment les histoires merveilleuses, les signes du destin, les symboles. Ils perdent ensuite la guerre d'Indochine. La guerre d'Indochine se termine en 54 sur une débâcle de Yen Bien Phu, qui provoque indirectement le début de la guerre d'Algérie, parce que ça a quand même provoqué, enfin, ça a donné du courage aux nationalistes algériens, etc. La guerre d'Algérie se finit en 62, tout l'empire français d'Afrique se déconstruit à ce moment. Enfin, j'ai l'impression que c'est une page qui est peu étudiée dans les livres d'histoire aussi, parce que c'est le début d'une sorte de détricotage de quelque chose que la France avait construit
et qui est une, en fait du colonialisme, qui est une sorte d'impasse historique. Mais bon, ça, je trouve ça passionnant parce que dans votre film, même si vous contextualisez pas comme si c'était un documentaire d'histoire, entre guillemets, et encore moins un récit naturaliste, je trouve que malgré tout, vous mettez bien les... On comprend bien les choses quand même. En tout cas, oui, ça donne envie même après, de façon narrative, d'en savoir plus. Quoi. Pas de façon narrative, mais effectivement, on se retrouve à suivre des gens, une vingtaine de soldats qui ne sont pas français, qui sont des légionnaires, qui viennent des quatre coins de la Terre, mais qui sont principalement à cette époque-là des Européens, ce qu'on retrouve dans le film, qui se battent pour l'Empire colonial français dans un endroit... Qui est l'Indochine, dans une forêt tropicale où ils ne sont liés absolument à rien, ni à la culture, ni à la géographie de cet endroit, au nom d'un pays qui n'est pas le leur, en parlant une langue qui n'est pas la leur. Je pense qu'il y a beaucoup de couches d'absurdité qui se cumulent. Effectivement, enfin, j'espère que ça donne une impression de fin d'un système, de décadence complètement de la pensée occidentale. Moi, j'ai même retrouvé un petit peu, comment dire, parce que forcément, on pense, moi j'ai pensé à l'atrocité de la sixième section, mais on pense même aussi à Apocalypse Now, un petit peu dans le truc, parce qu'il y a un côté folie aussi qui s'empare un peu de temps en temps des hommes, quoi. Enfin, pas de temps en temps, mais voilà, et donc c'est pas la même folie exprimée par Coppola dans Apocalypse Now, mais on est voilà, la jungle, la nature, l'immersion, l'oppression, qui fait qu'on arrive à prendre même des décisions qui, nous, en tant que spectateurs, nous paraissent totalement insensées, quoi, en fait. Mais pourtant, grâce, je pense, à la force de la mise en scène, on finit par rentrer dans le jeu, en fait, comme eux. Et on devient même un petit peu, nous, un peu doudingue, quoi, en fait. Pour revenir, parce que pour rebondir sur votre remarque, je peux compléter la réponse à la question que vous avez posée tout à l'heure. Sur qui a initié ce projet-là. Oui. Donc c'est Jacques Perrin a initié ce projet-là suite à ce documentaire et ces images d'archives de la colonie Alexandrie qu'il avait retrouvées. Il a fait écrire un scénario. Il a vu Entre-temps loin des hommes où il s'agit de guerre coloniale, de différentes lois qui s'appliquent au même territoire. Comme vous l'avez dit, qui fait le lien avec la fin de votre film, hein, là, celui-là. Oui, on peut voir Loin des hommes à la suite des derniers hommes, hein. Enfin, si je puis me permettre. Oui, tout à fait. Ouais. En tout cas, Jacques Perrin, ça lui a parlé, on s'est rencontrés, et il m'a proposé le scénario qu'il avait écrit. Mm-hmm. Et moi, le scénario qu'il m'a proposé, ne m'a pas convaincu. Mm-hmm. C'était un scénario qui parlait beaucoup à l'intelligence, qui était brillant, mais c'était une histoire d'enquête, en fait, après-guerre, où il y avait des flashbacks dans la forêt, c'était une histoire d'usurpation d'identité. Bref, en tout cas, on s'est beaucoup plu avec Jacques. Bien que je lui ai dit non, on s'est revus, il a voulu essayer de comprendre qu'est-ce que j'aurais fait si je l'avais écrit moi, etc. Il y a un échange, quoi, c'est ça qui est bien, quoi. On s'est beaucoup parlé, et au bout d'un moment, il m'a dit, bon, David, écrivez le scénario comme vous voulez, reprenez le récit de Gandhi, si vous voulez, et on rebâtit un scénario qui vous convient. Et moi, je lui dis, très bien, mais dans ce cas-là, moi, j'écris un scénario extrêmement simple, extrêmement linéaire, sans flashback, etc. On est tout le temps dans la forêt, parce que je pense qu'il y a deux trucs qui sont incroyables dans ce film. La première, c'est que c'est une page d'histoire que moi, je ne connaissais pas, que vous ne connaissiez pas, que personne ne connaît, les historiens, les spécialistes, etc. Pointus, quoi, et que c'est intéressant de se plonger dans... C'est pas anodin qu'on la connaisse pas. Non, d'accord. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et la deuxième chose qui vraiment est très singulière dans ce film, c'est qu'on peut faire un film totalement immersif, et qui peut parler effectivement de folie, etc., parce qu'on va se retrouver, si on respecte l'histoire sans flashback, etc., si on respecte la simplicité de cette odyssée, de cette histoire, de cette marche, on peut être tout le temps dans la forêt. Tout le temps dans la forêt. C'est peut-être cet aspect-là qui a plu à Jacques, parce que quelque part, ça lui permettait de voir comme un film héritier de la 317e section. Mais oui, c'est marrant, parce que lui, clairement, l'obsession qu'il avait pour ce projet-là, c'était pour boucler la boucle. Voilà. C'était très visible, la façon dont il en parlait, etc. Et en fait, ce que je lui ai proposé, c'était quelque chose de revenir plus proche de la 317e section, vers un récit plus linéaire, plus désespéré. Vous lui avez parlé au cœur, là. Mais c'est marrant, parce qu'il a dans un premier temps résisté, et puis au bout d'un moment, il a dit « c'est ça qu'il faut faire ». Ouais. Et pour lui, c'était à tel point une façon de... À tel point
Merde. Non, mais pour y aller, de toute façon, on se fait rien, on a les micro-cravates. C'était à tel point une façon de boucler la boucle qu'il est mort 3 jours après la fin du tournage. Ouais, ouais, c'est la veille de sa mort, ça, il m'a appelé. Il a eu le temps de voir les rushs, t'as presque tous les rushs. Ouais, d'accord. Il a vu, quand il a fini de visionner les rushs, parce qu'on a tourné dans l'ordre chronologique. Chronologique, ouais, d'accord. Quand il a fini de... Ça, c'est une force, ça aussi, peut-être pour les acteurs, non de, ah de... oui, mais pour ce film-là, c'est indispensable. On ne pouvait ouais, pas comprends. Faire autrement. Je vous ai coupé, excusez-moi. D'autant que les acteurs ouais. s'abîment, se fatiguent, ouais, ouais. Et qu'on et donc, joue du coup, de... la décomposition se voit à l'image, ouais, ouais. Bien sûr. Je vous ai coupé, donc du coup, il a vu les rushs dans l'ordre chronologique. Il voit les rushs de la dernière séquence, qu'il a beaucoup aimé, qui était une séquence qui avait été beaucoup discutée entre nous. Oui, oui. Et voilà, il était extrêmement ému. Il a dit ouais, vous avez, on a de quoi faire un beau film, etc. Formidable. Enfin, j'ai, ouais. je passe les détails. Et le lendemain, il est mort. C'est clairement ce film-là, 59 ans, presque 60 ans après avoir fait la 317e section, ce film qui était si difficile à produire, si loin de ce que demande le marché. Et la société Galatée qu'il dirigeait, qui existe toujours, a pris des risques énormes, parce que c'est un film vraiment qui est complètement, je dirais, à côté de la plaque. Mais pour lui, il était hors de question que le film ne se fasse pas. Donc, ce que vous me dites, quelque part, en sous-texte, c'est que c'est la volonté, l'obsession même de Jacques Perrin qui a mené cette, malgré tout ce projet à son terme quand même. Oui, financièrement je parle. Oui. Pas d'un point de vue artistique, ça je parle de trucs, mais au moins tout financièrement. Tout à fait. Mais je pense qu'il adorait les aventures comme ça. Ouais. Microcosmos, on lui dit, mais tu ne peux pas faire un film aussi cher sur les insectes. Ah bon, on ne peut pas Paf, le peuple migrateur, on ne peut pas faire un film à 15 millions d'euros ou je ne sais combien avec des oiseaux. Ah bon, on ne peut pas. Il adorait ce genre de défi. J'ai beaucoup de gratitude et beaucoup d'admiration pour les producteurs, notamment pour les producteurs avec qui j'ai travaillé. Voilà, d'accord. Mais même mon premier film, le producteur s'appelait Olivier Charvet, il s'est beaucoup battu pour faire ce film. Ensuite, j'ai travaillé avec Marc Dupont-Aviz sur 2 films, c'était Loin des hommes et Les frères ennemis, qui n'était pas un film du tout facile à produire, parce que là, pareil, ce film sur la banlieue, c'est un moment en plus où le polar, le thriller, c'était à la télé. Ouais. Il n'y en avait plus au cinéma. Ouais. Et puis, on a toujours dit que le polar au cinéma, ça ne marche pas. Donc, Donc voilà, il a pris beaucoup de risques pour produire les 2 films. J'emprunte des récits dans le genre. C'est-à-dire, effectivement, mon premier film, c'est un film de braquage. Film familial, drame familial. Qui a été repris entre-temps. Il y a d'autres films qui ont fait comme vous par la suite. Je n'ai pas forcément les titres de films là, entre trucs, mais je trouve que voilà. Et alors qu'auparavant, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je n'ai pas les connaissances suffisamment. Le deuxième film, Loin des hommes, emprunte clairement à des situations de western. Et effectivement, le troisième film, clairement, le polar. Mais en fait, tous ces personnages-là, que ce soit l'homme qui est chargé d'amener quelqu'un d'autre à la ville voisine, le policier dans le Frères ennemis, ou l'organisateur d'un... Ce sont des gens qui existent dans la vie, dans la vraie vie. Ce ne sont pas que des fantasmes de films de genre, etc. Et ce que j'essaie de faire... Ouais, vous sortez des stéréotypes. C'est de les traiter vraiment comme des personnages qui seraient dans un film réaliste. C'est-à-dire que c'est c'est en même temps des récits qui empruntent au genre, parce qu'on se retrouve avec un policier, par exemple, dans Frères ennemis, qui est obligé de retrouver un ami d'enfance parce qu'il sait qu'ils peuvent s'aider mutuellement, etc. Mais c'est traité avec, en tout cas, la même ambition de finesse de personnage que si on était dans un film où il aurait été éditeur ou professeur. C'est-à-dire que je dirais que le défaut que peut avoir parfois le film de genre, quand les codes sont totalement assumés, etc., c'est que l'attention portée au personnage, elle est réduite parce que les personnages sont un rouage d'un système qui est le code, qui est le polar, qui est la résolution de l'enquête, etc. Ouais, bien sûr.
En fait, j'essaie d'écrire moi, les personnages de la façon la plus complexe possible. Et surtout, à chaque fois, le genre est un prétexte, oui. Une façon de parler d'autre chose que le genre, à savoir à peu près à chaque fois le problème d'identité. Oui. Ça se revoit dans beaucoup de films. De loyauté, ouais, ouais. Et le problème de la loi. C'est-à-dire que dans chacun de mes films, il y a des lois sur un même territoire qui se contredisent. Dans Loin des Hommes, il y a la loi française, c'est une colonie française, qui rentre en conflit avec la loi tribale. Et les personnages, notamment le personnage joué par Reda Kateb, à un moment, doit se demander à quelle loi je dois obéir, à qui je dois être loyal. Dans Frères Ennemis, à nouveau, le personnage de Reda Kateb est tiraillé entre deux loyautés différentes. Est-ce que je dois être loyal à ce que je suis devenu, à la République française, ouais. Moi qui suis flic, ou est-ce que je dois être loyal à la mes origines, à la loi de la cité, ouais. À la loi non écrite de l'amitié des gens avec qui j'ai... est-ce que je dois être loyal aux gens avec qui j'ai grandi, ouais. Ou avec ceux qui m'ont permis d'intégrer la société de façon plus... Puis nos retrouvailles, c'est l'identité, c'est comment s'affirmer vis-à-vis du père, quoi. Oui, aussi. Avec à chaque fois, dans tous ces films-là, des modèles qui sont décevants. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans un moment de notre histoire politique où les modèles passés se sont révélés décevants. Enfin, en tout cas, c'est mon analyse. Les modèles émergents se révèlent décevants ou pas rassurants encore. Et que chacun de ces films traverse cette espèce de sensation de déception du modèle qu'on a suivi, qu'on a cru. On devait tourner en Asie du Sud-Est. Ouais. Et il y avait comme volonté de tourner au Cambodge, éventuellement sur les lieux du tournage de la 317e section qui avait été tournée Nord-Cambodge. Ah, je comprends. Le Covid l'a empêché. D'accord. Et puis en plus, il se trouve que l'endroit avait été tourné à la 317e, a été déforesté par les Chinois, etc. Ah ouais. Il n'y a plus de forêt, etc. C'est pas vrai. Ce qui aussi signifie quelque chose. Ah ouais. En tout cas, on aurait pu tourner ailleurs au Cambodge. Il y a encore beaucoup, beaucoup de forêt, évidemment. Ouais, d'accord. C'était trop compliqué à cause du Covid. Et puis, il y avait la peur de refermeture des frontières, même quand ça s'était un petit peu calmé, etc. Ouais, d'accord. Je suis allé un petit peu en Guyane à reculons, parce que pour moi, la Guyane, moi, j'étais déjà allé en Amazonie, côté brésilien, pour moi c'était extrêmement différent, extrêmement plat. Il n'y avait pas de montagne comme il peut y en avoir dans le nord du Vietnam, là où passe la colonne. Je me suis retrouvé très rapidement dans une région extrêmement vallonnée. Et effectivement, vous avez raison, j'arrive dans une ville qui s'appelle Cacao, à l'intérieur de la Guyane, à une heure à l'intérieur des terres par rapport à Cayenne. Et on a l'impression d'être au Laos. Toutes les maisons sont laotiennes, tous les gens sont laotiens. Et en fait, c'est effectivement une ville où vivent des Hmongs. Les Hmongs, c'est une ethnie laotienne vietnamienne qu'on retrouve dans le film de Clint Eastwood, Grand Torino. Ce sont des gens qui sont un peu les harkis du sud-est asiatique. C'était une ethnie qui était assez maltraitée. Ils avaient aidé les Français, non, c'est ça ? Ils étaient assez maltraités avant la guerre, historiquement. Ils s'appelaient les Méos, leur dénomination ancienne. Pas très bien vu, peuple des montagnes, pas très bien vu par les Vietnamiens et les Laotiens, etc. Ethnie un peu marginale, qui, quand les Français entrent en guerre, etc., ils décident d'aider les Français. D'accord. Tout comme les Harkis ont aidé plus tard l'armée française en Algérie. On connaît le destin absolument tragique des Harkis. Je pense que ça a été une décision politique, mais je pense que les militaires français l'ont extrêmement mal vécu d'avoir à abandonner les gens qu'ils avaient... Surtout, ce sont les gens qui les ont aidés au quotidien. Oui, oui. Voilà. Peut-être que ça a joué. En tout cas, les Hmongs, anciennement Méo, qui ont aidé les Français, ont ensuite aidé les Américains. Quand les Américains ont perdu la guerre en 1973, ils sont fait massacrer, ils ont fui vers la Thaïlande. Mais là, pour une fois, effectivement, une partie des populations a été récupérée par les Américains et une autre partie a été récupérée par les Français.
Est-ce que c'est parce qu'ils étaient... parce qu'il y avait déjà eu l'expérience des Harkis, ou est-ce parce qu'ils étaient en fait catholiques? Ils avaient été christianisés il y a longtemps. En tout cas, voilà, la France a récupéré des mômes, les a envoyés en métropole, assez succinctement, parce qu'en fait, il y a eu un préfet qui a eu l'idée de... Si on les envoyait en Guyane, on n'arrive pas à cultiver les terres là-bas. Eux savent faire, c'est leur expertise, leur savoir-faire. Mmh, ouais. Peut-être qu'ils arriveraient à cultiver ces terres qu'on n'arrive pas à cultiver en Guyane. Là. Ça n'a pas raté. Là, en ce moment... Une fois qu'un préfet prend une bonne décision, dis donc. les Mongs détiennent tout le marché des primeurs. C'est eux qui détiennent toute l'agriculture des primeurs, etc. en Guyane. Et donc, c'est des gens qui sont extrêmement bien établis maintenant, qui... Et bien accepté par la population, même les autochtones, enfin local, quoi, je veux dire. Oui, mais de toute façon, les autochtones, enfin, tu sais, la Guyane est un mélange de, oui, de tellement de populations différentes. Oui. Ouais. D'accord, oui, bien sûr. Mais en plus, ils ont fait leur place et en plus, ils apportent. Il y a les Amérindiens qui, je pense, sont dans une position comme ça, très très difficile, ouais. Comme un peu partout en Amérique. Ouais. Il y a les Créoles, il y a les Européens, il y a le. Il y a les Mongs, il y a les Chinois qui font le commerce. Enfin, Vous avez utilisé un peu ce décor, un peu, du coup, même parce qu'à un moment. Donc, on a beaucoup tourné à Cacao. C'est à ça. On n'avait pas besoin de ville. On n'avait pas besoin de ville. Non, mais à un moment, parce que la colonne évite. Oui, mais à un moment, vous tombez. Il y a la colonne tombe à un moment sur, sans rien dévoiler, mais elle tombe sur une sorte de. Je sais pas si on peut appeler ça un village, mais des huttes. Oui, quoi. Oui. Enfin voilà. Et donc peut-être que vous avez donc tourné là. On s'est appuyé sur une ferme Mong. D'accord. Et on a construit ailleurs, autour, et on a fait des effets spéciaux pour village qui avait été en arrière-plan. Ok. En revanche, on s'est appuyé sur pour le personnage de Tin, oui. Sur un Mong de Guyane qui s'appelle Tangva. Que je trouve absolument formidable. Ah, moi, à tel point que quand je l'ai vu, je dis mais attends, je l'ai déjà vu quelque part lui, mais non, en fait non. c'est quelqu'un qui a vécu cette histoire avec son père, qui a fui dans les bois quand il avait 7 ans, ouais. En Thaïlande, vers la Thaïlande, et c'est quelqu'un qui porte cette histoire. Et c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la forêt et qui, contrairement aux autres personnages du film, a une connaissance profonde et intime de la forêt. Et on le sent dans ce, ah oui, ça se dans, sent. Dans parmi ces hommes là. Et lui, il apporte ça réellement, Tangva. C'est un paysan, Mong, qui est devenu maintenant forgeron. Et qui a compris ce que c'était le cinéma, comment on jouait pas, etc. En une semaine. Enfin, quelqu'un d'une intelligence, à mon avis, extraordinaire. C'était ça le charme de ce film. Ouais. Il y a d'autres personnages qui font ça. Il y en a d'autres qui ne sont pas du tout acteurs aussi. Voilà, Je crois même qu'il y a des vrais légionnaires, non? C'est ça. Alvarez est joué par un vrai légionnaire, un ancien légionnaire devenu instructeur de la Légion étrangère. D'accord. Il s'appelle Antonio Lopez, qui est un personnage extrêmement connu dans la Légion étrangère, d'accord. etc. D'accord. Extrêmement respecté et qui a pris le risque de se lancer comme acteur. Il était conseiller militaire au départ, parce que je n'y connais rien, moi, à l'armée, encore moins à l'armée en 45, etc. Ouais. Là, j'avais besoin vraiment d'un conseiller militaire. Et je le trouvais super, et je lui ai fait faire des essais. Et pareil, je trouve que c'est un comédien hors pair, en fait. Donc ça a été... c'était en tout cas loin du film, avec des figures de têtes d'affiche. Oui, bien sûr. Et le reste du casting. Même si les comédiens qui font les rôles principaux sont des comédiens sont connus. Des comédiens connus. Ne serait-ce que dans leur pays. Voilà, qui seraient des têtes d'affiche. Le film avait été polonais. C'est ça. Italien ou portugais. C'est ça. C'est-à-dire voilà, que Nuno Lopes est extrêmement connu. C'est ce que j'ai cru comprendre. Au Portugal, ouais. Celui qui joue Lisbonne. André Chira, l'acteur polonais extrêmement connu en Pologne, qui joue le sous-officier. Et celui qui joue le miotte, qui s'appelle Guido Caprino, est connu en Italie. Alors, le casting vous a été proposé sans que vous connaissiez qui que ce soit, on est d'accord, enfin voilà, et vous les avez comment on appelle ça, mis ensemble. Et moi, ce qui m'a frappé... Alors, il ne m'a pas été proposé, c'est avec une... Oui, il y a une directrice de casting, ou un directeur de casting. Qui s'appelle Justine Leocadie, avec qui on a travaillé très très longuement, parce qu'on a vu énormément... Non, quand je voulais dire proposer, c'est-à-dire qu'on vous a certainement proposé des acteurs, et que vous avez choisi, vous avez choisi en fonction... voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Mais la première décision sur le casting, c'était avec Jacques Perrin, c'est de décider effectivement, parce que
c'était pas évident de... Lui, il disait, la star, ça sera la troupe. Voilà. Il ouais. voulait pas... Moi, bon, c'était quelque chose qui me plaisait aussi, mais ça a été... Ça se voit dans votre mise en scène. Ça a été avalisé, ça a été même encouragé ouais. par Jacques Perrin, même si ça rendait le film encore plus difficile à produire, et même ouais. si ça le rend plus difficile à distribuer. C'est-à-dire et que ouais, bien sûr. Le film devait sortir en novembre, si on le recule un petit peu, c'est aussi parce que si on avait fait une production plus classique, si on s'était appuyé sur des têtes bien d'affiches, sûr, etc., il serait plus facile à... D'où la signification de l'affiche. L'affiche, on voit des hommes au loin, un peu en ombre chinoise, limite. Et je crois que l'affiche, elle est beige, j'ai mes souvenirs sont bons. Je ne sais pas si c'est l'affiche qui va être retenue in fine quand le film va sortir au mois de mars, mais voilà, il n'y a pas une volonté de vouloir faire sortir quelqu'un par rapport à un autre. Alors que, bon, malgré tout, l'histoire parle quand même de Hermiotte, quoi. Voilà. Ce que j'essayais de faire avant, c'était de filmer des interactions entre personnages, de filmer un groupe, de comment fonctionne un groupe, comment politiquement, c'est une mini-politique, comment les tensions naissent, disparaissent. Donc il y a beaucoup de plans qui passent, tous les plans d'ailleurs quasiment, passent des personnages des uns aux autres, etc. Et ce sont des plans qui filment des interactions entre personnages plus que des personnages. Donc avec vraiment l'idée de filmer un groupe comme une sorte d'organisme vivant et complexe et un peu indéchiffrable. Mais ça, c'est pas qu'une volonté formelle. Il y avait quelque chose vraiment qui m'obsédait, je dirais, qui est la frontière entre l'esthétique, la mise en scène et l'éthique. Même si l'esthétique et l'éthique, c'est peut-être pareil. C'était de ne pas héroïser, de ne pas faire que la guerre soit une sorte de théâtre des valeurs les plus sublimes, virilistes, etc. Et plus on filme en se centrant sur les personnages de façon individuelle, et plus j'ai l'impression, ce qui a été le cas de beaucoup de films américains, en l'occurrence vous avez cité des bons films américains dans le sens où c'est des films qui montrent la guerre pour ce qu'elle est, à savoir une horreur. Vous avez cité Apocalypse Now, vous avez cité Platoon. Moi, c'est ce qui me venait à l'esprit tout de suite, mais il y a plein d'autres. Vraiment, le fait d'essayer de filmer les interactions, les peurs, les reproches, plus que de filmer les personnages dans leur identité, leur individualité, ça, je pense que ça m'écartait de ce danger-là. Qui était celui d'héroïser des hommes, alors que moi, le sous-texte est tout le contraire. C'est-à-dire de montrer la guerre comme une sorte de théâtre un peu cruel, mais qui révèle les hommes pour ce qu'ils sont. Non, c'est de filmer la guerre pour ce qu'elle implique sur les hommes, à savoir une sorte de corruption inimaginable des liens, des corps. Et en ça, forcément, on pense à un autre film sur lequel je ne suis pas forcément particulièrement fan, mais il faut reconnaître que formellement et voir ce que ça implique, il est extraordinaire, c'est La Ligne Rouge de Malick, quoi, en fait. Et on y pense forcément, il y a le côté pas élégiaque, mais le côté... Vous voyez, je veux dire, la façon qu'on vous filmait des fois la jungle... c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une volonté à la fois de... peut-être de... naturalisme, bon, je ne veux pas mettre un gros mot là-dessus, mais il y a aussi une volonté d'esthétiser énormément beaucoup de plans, en fait, voilà. Et non pas dans une volonté de comment dire ça, de décrédibiliser, ou je ne sais pas, d'amener votre film vers quelque chose qu'il n'est pas, mais pour bien montrer que on est dans un film de cinéma, quoi, voilà, que c'est pas un documentaire, quoi, voilà, tout simplement. La Ligne Rouge, évidemment, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Terrence Malick, c'est un cinéaste brillant et profond. Mais la Ligne Rouge, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Moi, j'ai aimé le film comme spectateur, mais ce qui me dérange en tant que référence, disons. C'est sa perception du mal, c'est-à-dire qu'il a, donc pour moi je sens que c'est quelqu'un qui est extrêmement peut-être catholique,
La nature est vue comme quelque chose de pur. C'est l'homme qui apporte le mal. Et encore, le mal, il est bien identifié. Il y a le diable, quoi. Je sens qu'il y a une sorte de catéchisme dans la ligne rouge. Mmh. Et du coup, du traitement de la nature qui est un peu le paradis avant la chute. C'est ce que je vous disais au début, quoi. Qui me dérange. Ce n'est pas mon... C'est pas ma référence ultime, voilà. Mais j'y pense quand même. En voyant le film, j'y pense pour ce côté immersion. Vous voyez ce que je veux dire, la volonté du truc. Tout en, pour autant, sans que votre film soit binaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre, ou la nature, elle est magnifique. Comme ça, il y a un mélange qui fait. Parce que le mal est partout, le bien est partout. Voilà. Et j'ai essayé de faire en sorte que l'homme et la nature ne soient pas osés, mais soient sur le même plan. Ouais. C'est ce qui permet aussi de ne pas filmer en gros plan les hommes avec la nature qui serait simplement en arrière-plan. Les hommes sont sans arrêt, assez souvent en tout cas dans des plans assez larges, perdus dans la nature avec un son qui traite la voix humaine à peu près à égalité avec le son de la forêt, etc. C'est ça, ouais. On a l'impression que l'homme fait partie de la nature, est une partie intégrante de la nature, et que la nature ne serait pas le bien et l'homme serait le porteur du mal après la chute. Ouais, mais d'ailleurs, il y a un vrai travail sur le son d'ailleurs que vous apportez. J'ai même lu apparemment que vous avez repris, vous avez pris des sons que vous avez fait au Cambodge pour le rajouter dans la jungle guyanaise, quoi, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est grâce à Olivier Dohu, qui est en même temps un mixeur et en même temps un ingénieur du son. C'est-à-dire il prend le son, il a pris le son... en fait, il avait fait le film dans les confins du monde de Guillaume Nicou, oui. Qui avait été tourné. Ah ouais, j'aime beaucoup ce film. Au Vietnam. Ouais. Donc, il avait tout... J'espère que je ne mets pas Olivier Dohu dans là-bas. Si vous voulez, on le retirera. Non, mais en même temps, moi, je suis content de le savoir. Je plaisante. Donc, effectivement, il a utilisé un certain nombre de sons que lui avait pris. Après, c'est sa banque à lui. Exactement. Tout simplement, c'est normal. Et qu'on a largement utilisé. Sa banque de données à lui, bien sûr. Largement utilisé, qu'il a largement utilisé dans le. Les confins du monde, c'est un film extraordinaire, ça aussi. Je veux dire, totalement qui rentre dans le crâne, ce truc-là. Mais là, pour le coup, c'est pas du tout votre. C'est pas la même démarche que vous, mais bon, voilà, en effet, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. C'est le même départ historique, parce que ça part tout à fait. Du même massacre. Tout à fait. C'est les mêmes lieux, parce qu'eux ont eu la chance de tourner là-bas ou pas, mais effectivement, je pense que c'est deux territoires de cinéma complètement... De cinéma différent, voilà. Et alors, du coup, pour revenir, alors, vous parliez du son, on parle de l'image. Alors, je ne ferai peut-être pas une aparté, mais j'ai l'impression que vous aimez beaucoup travailler, un peu, pas avec une famille, mais en tout cas, retrouver un peu les mêmes collaborateurs. Parce qu'il me semble que vous travaillez avec le même chef-op depuis 3 films, je crois, je ne vais pas dire de bêtises. Oui. Donc, alors, autant vous changez de co-scénariste, parce que je présume qu'en fonction des sujets qui sont amenés, c'est compliqué. Mais là, j'ai l'impression que vous aimez bien vous entourer un peu des mêmes personnes. C'est vrai, tout à fait. Guillaume Desfontaines, à l'image, c'est quelqu'un qui me convient tout à fait, que je trouve très talentueux au cadre. C'est lui qui cadre, et comme on travaille beaucoup à l'épaule, mais c'est une épaule qui se veut fluide et qui se veut instinctive, et je trouve très fort là-dessus. Quelque chose que vous avez déjà fait, employé, il me semble, dans Frères... Tout le temps. D'accord, ok, j'ai rien dit alors. Nos retrouvailles, c'était pas le même chef opérateur, il s'appelait Lubomir Bakchev, que je salue, qui est un superbe chef opérateur aussi, qui travaille à l'épaule. Sur Loin des Hommes, c'était un tout petit peu différent, parce que sur Loin des Hommes, le début du film, le personnage est dans une sorte de certitude que le monde dans lequel il vit est juste, et il y a une sorte de ça m'a l'air plus posé, entre guillemets. Le début du film, quand le personnage qui est joué par Viggo Mortensen, Daru, n'est pas encore mis à contribution, la guerre n'a pas encore éclaté. Mais il y a une vraie évolution dans la mise en scène, en effet. Tous les plans sont fixes, etc. Ouais. Et ça, j'espère, ça fait transparaître une sorte de monde éternel qui n'est pas amené à évoluer. Et puis, au fur et à mesure qu'il rentre dans les doutes, la mise en scène évolue, et à la fin, on est allé à l'épaule comme sur le reste de mes films. Oui, tout à fait, ouais.
Plus ça va, plus mon désir est de laisser, autant que faire se peut, une liberté aux comédiens de proposition, de changement de dialogue, de changement de déplacement. Ensuite, il faut voir où est-ce qu'on met le curseur. C'est-à-dire que cette liberté laissée aux comédiens, elle est très profitable parce que quand un comédien prend en charge son personnage, je trouve que ça fait plus de naturel, ça fait plus d'investissement. Ensuite, quand on laisse trop de liberté, ça peut être paralysant. Oui. Voilà. Donc, faut trouver le juste milieu. Là où mettre le curseur pour que je pense que les comédiens en tout cas avec lesquels j'ai travaillé ont besoin d'un cadre. Et que dans ce cadre, ils ont besoin de se sentir libres. Voilà. Donc, le curseur, c'est à quelle hauteur je place le cadre au-dessus d'eux. Et ensuite, il y a des scènes particulières, c'est-à-dire dans tous mes films, il y a des éruptions de violence, où là, la mise en scène est beaucoup plus contrainte pour les comédiens, beaucoup plus cadrée quand il y a des explosions, quand par exemple, je sais pas. Mais vous demandez certaines réactions, il y a certains attendus, quoi. Oui, fait, là, voilà. Pour l'instant, pour le coup, quand il y a des explosions, des choses avec de la mise en scène très contraignante, il y a des marques, il y a des choses très précises. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a certaines scènes qui sont même storyboardées. C'est-à-dire que je fais des films où il y a des scènes qui peuvent être relativement libres, où on peut changer complètement sur le terrain ce qui se dit, la façon dont on le dit en tout cas, et les déplacements, etc. Et d'autres qui sont extrêmement précises, avec beaucoup de contraintes pour les comédiens. Donc c'est pas tout le temps facile de passer de moments de liberté, de proposition, à des moments où il n'y en a pas. Voilà. Bien sûr. Ouais. Et le comment on appelle ça, surtout moi j'ai remarqué dans les derniers hommes, c'est qu'il y a un côté où il y a la caractérisation des personnages, elle se fait finalement pendant le film, enfin pendant le film, normalement je veux dire, mais pendant qu'on suit l'évolution de l'aventure ou enfin des personnages, mais il y a, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de flashback, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on n'a rien pour se raccrocher sur avant, quoi, finalement. Donc, comment on arrive à caractériser, surtout à expliquer aussi aux acteurs, parce que souvent les acteurs ont besoin d'un background, d'un besoin. Après, c'est peut-être en effet plus simple de donner un background quand vous travaillez avec Mathias Chandard ou Reda Kateb en leur disant, toi, tu viens de tel milieu, tu as été élevé comme ça, tu viens, voilà, ta famille, voilà. Donc, du coup, ça leur donne un cadre. Mais quand vous parlez de soldats comme ça, un peu comme les 12 salopards, quoi, vous voyez, donc, qui est truc, en fait, on y prend, boum, on y va et on va. Donc, dans les 12 salopards, on savait que c'était tous des repris de justice et tous des. De droit commun ou des déserteurs ou des tirs au flanc, mais là on n'en sait pas plus, quoi. Mais pourtant on arrive à leur donner corps, quoi. Il y a chair et des trucs, et puis quand il y en a un qui disparaît, voilà, c'est tout autant que comme si on avait suivi tout son donc à la fois et dans l'écriture et dans la façon de jouer, je trouve ça assez fort, quoi. Donc comment on arrive à amener ça, quoi, finalement à l'écran, quoi. Je trouve ça assez c'est une belle gageure, quoi, en fait, voilà. Alors, pour revenir sur, par exemple, Mathias Chenard, sur Reda Kateb, sur les films précédents, sur Frères Ennemis, en l'occurrence, je ne leur donne pas un cadre. On discute d'un cadre, vraiment. Même là... Oui, mais il y a un échange. Même là, il y a des discussions. Oui, bien sûr. Mais on est un peu obligé. Qui va faire que le personnage a ce qu'on appelle une backstory cohérente, etc. Mais c'est un peu obligé pour un acteur. Et qui leur convient. Et qui, en général, est construite de façon à ce qu'il y ait des choses qui leur parlent. Qui peuvent être connectés à leur vécu à eux, c'est ça, etc. Là, oui, bien sûr. Et ça, on le façonne ensemble. Ah, je voulais pas dire que c'était écrit, mais je voulais dire que ils ont besoin de ça, les acteurs. Oui. Non, mais j'en profite pour glisser comme méthode bien de travail. Sûr, ça fait partie des espaces de liberté qu'il n'y a pas sur tous les films, d'accord. Mais moi, que je leur donne. Même la backstory, on l'imagine. On le fait ensemble. Ensemble. Ouais, d'accord. Voilà. Elle n'est pas imposée. Ok. Mais je dirais pareil sur les derniers hommes, parce que chaque personnage avait une backstory. Ah, quand même, d'accord. À part qu'elle n'apparaît absolument pas dans le film. Du tout. C'est-à-dire que le film, peut-être pour le coup, a une certaine radicalité, parce qu'il n'y a absolument aucun dialogue qui fait référence à qu'est-ce qu'ils étaient avant, qui ils étaient. Juste l'adjudant qui dit qu'il a un fils. Voilà. Voilà. Juste
une scène à la fin du film. Tout à fait. Où il y a une discussion entre Lisbonne et le sous-officier, Janiski, l'adjudant chef, où il dit qu'il a un fils et il dit qu'il a perdu sa femme il y a longtemps. Ouais. C'est la seule permission que vous donnez. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'était plutôt pour parler d'ailleurs de l'autre personnage en creux qui avoue que lui, il est seul comme un chien. En fait. Ouais, c'est ça. Mais donc en réalité, c'est un sentiment de solitude qu'il a sur le présent. Donc en réalité, même si l'adjudant parle de son passé, c'est. Mais oui, il y a cette petite entorse à ce principe. Mais moi, je pas critique, hein, au contraire. Non, mais, mais effectivement, c'est peut-être ce qui fait que le film, au début, est un peu désorientant. Dans les un quart d'heure, 20 premières minutes, on ne sait rien de ces hommes, on les suit, et peut-être que le film commence à prendre plus de rondeur, quand on commence à les connaître, etc. Parce qu'au début, effectivement, il y a une sorte de refus total de la psychologie. Ils ne parlent pas entre eux et on ne sait rien d'eux. Et en revanche, chaque personnage avait une backstory discutée avec le comédien pour que chaque acteur puisse avoir des réactions cohérentes à ce qui se passait à la... Parce même un socle psychologique aussi, quelque part. Hein. Quelque part, pour que le mec s'y retrouve aussi, tu vois, qu'il ait des repères aussi, quelque part, un peu. Oui, et puis moi, c'était le film le plus compliqué à mettre en scène, parce qu'il y a... Beaucoup de personnages. Il y avait beaucoup de personnages. Oui, bien sûr. Avec une volonté de les filmer, comme on disait tout à l'heure, en les liant les uns les autres. C'est-à-dire que je ne filmais pas des sous-groupes, je filmais tout le groupe, sans arrêt. Et avec des événements plus ou moins importants qui se passent à peu près tout le temps. Mm-hmm. Des événements, des micro-événements, un animal, un coup de feu. Et ce n'était pour moi pas possible ou pas productif de régler toutes les réactions de chaque personnage à tout moment. D'autant qu'en plus, il y avait des événements qui n'étaient pas forcément prévus et que j'avais envie de les surprendre, etc. Donc ce qui était intéressant, c'est que chacun avait le logiciel de son personnage. Et que moi, je n'allais pas régler individuellement absolument toutes les réactions. Oui, ben vous aviez bien sûr, je comprends, c'était compliqué, bien sûr. Ensuite, non, mais c'était assez intéressant parce que j'étais presque parfois j'étais le premier spectateur de ce que vous avez provoqué quelque part. Voilà, ce que j'avais provoqué, pas écrit. Alors, ensuite, s'il y a des réactions qui ne conviennent pas, ou des réactions qui sont similaires, ou des réactions qui rentrent en conflit les unes avec les autres, on les règle. Corriger, oui, bien sûr. Mais bien sûr. C'était intéressant que chaque acteur ait le logiciel, la backstory de son personnage, et que d'une part, ça n'apparaisse pas dans les dialogues, et d'autre part, que ce soit lui qui le gère, en fait. Ouais, bien sûr. Pour moi, c'est vraiment ce que vous avez dit, Jacques Perrin. Pour moi, quelque part, l'un des films que je mets vraiment tout en haut de trucs, c'est La Transcendance 17e section. Pour moi, pour plein de raisons. Celui-là, j'ai pu le revoir parce que là, lui aussi, il est indépassable. Et puis, c'est le premier en France. Il a raison. Il est ailleurs. Il a raison. Il est en état de grâce. Il a raison. C'est un truc extraordinaire. On peut le revoir, on ne le copiera pas. Mais grave. Mais moi, je l'ai vu plein de fois. Je retrouve à chaque fois des trucs. Il y a des dialogues de ce que ça montre, comment c'est filmé, la guerre telle qu'elle est montrée. Il y a un côté sec, il y a un côté. Élégiaque, il y a tout, quoi, en fait, voilà. Et je trouve que votre film, il fait énormément, le ziote énormément, mais dans le bon sens du terme, quoi, voilà. Donc, juste pour boucler la boucle, là aussi, sur le casting, c'est que Jacques, il tenait à ce que les acteurs ne soient pas connus pour Les Derniers Hommes, parce que, quand ils ont fait la 317e section, lui était un total inconnu, et Kramer était un total inconnu. Total inconnu. Et il disait, il faut faire pareil. Oui, mais je comprends. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer que... Ah, aujourd'hui, on ne peut pas. Ouais. On ne peut pas, c'est clair. Mais à l'époque, quand le film est sorti, on est d'accord. Mais c'est toujours ça bien qui est génial de pouvoir contextualiser un peu les films. Moi, quand j'essaie d'en parler, il faut essayer de comprendre comment les gens l'ont découvert à l'époque, en fait. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est très important, justement, de ce genre de choses. Mais ça les a propulsés, très clairement. Très clairement. Nous sommes déjà morts. Si l'un d'entre nous y arrive, on y arrive un peu tous.